BMU, partenaire officiel du Racing, vous présente les réactions d'après-match. Ouais, je pense qu'on l'a bien débuté en mettant du pressing, en jouant aussi direct au départ pour leur mettre la pression et récupérer les ballons hauts. On a la chance de marquer rapidement sur un pénalty. Après, on a quelques opportunités, une frappe sur le poteau, quelques situations aussi en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on a connu aussi des difficultés en première mi-temps. On a commencé en 4-4-2 et au fil du temps c'était du 4-2-4 et les joueurs excentrés venaient moins fermés, ce qui permettait de trouver les espaces pour eux, et les joueurs comme Arojo et Diabaté qui vont très vite. On a rectifié à la mi-temps, même s'ils ont eu le ballon on était bien en place et il n'y a pas de situation chaude pour eux. Par contre nous on a des ballons pour mettre ce deuxième but et peut-être par maladresse mais aussi par un bon gardien en face qui retarde un peu les chances. On a la chance de marquer à la 92e, mais oui, content parce que c'est le deuxième match à Bollard de suite où on gagne 2-0, on prend pas de but. Maintenant, voilà, on n'a qu'à 2 victoires depuis le début. Il faut impérativement qu'on arrive à les gagner à l'extérieur pour vraiment recoller et puis se dire, tiens, le match d'après à la maison, peut-être un peu moins de pression et dire, si on gagne celui-là, on recolle avec les 11 points. Mais maintenant, voilà, on est dans une situation, tant qu'on ne gagnera pas à l'extérieur, on aura toujours cette pression à domicile de devoir gagner absolument. Oui, effectivement, ça faisait un bon moment. On était dans le dur et il fallait une réaction. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, il fallait qu'on réagisse après la défaite de la dernière fois. Donc le maître mot aujourd'hui, c'était la détermination, la combativité. Donc je crois que c'est ce qu'on a essayé d'appliquer par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on a une victoire. Après la contre-performance qu'on a fait à Clermont, on avait à cœur de faire un bon match à domicile et de prendre les 3 points. Et voilà, c'est ce qu'on a fait, tout le monde est content. On va essayer de travailler encore plus parce que il n'y a rien qui est acquis, hein. On a gagné que 2 matchs. J'ai bien aimé, il y a eu des frappes, peut-être un peu moins précis dans les centres qu'à Clermont. Mais au moins il y a eu de la présence, il y a eu de la générosité. J'ai eu des joueurs qui ont fini fatigués, donc ça veut dire qu'ils ont fait les efforts. Après voilà, quand le public aussi a vu que les joueurs avaient tout donné, n'avaient pas triché. Et a noté aussi que le public a été très bon et il a été notre 12e homme ce soir. C'est bien pour eux, c'est bien pour nous, c'est bien pour le club. Donc voilà, satisfait de la soirée. Ouais, après, de toute façon, quand l'équipe elle tourne bien, généralement, tout le monde y tourne. Hein. Donc, ouais, personnellement, je suis content de ma prestation. Après, le plus important, ça reste l'équipe. Là, aujourd'hui, on prend les 3 points et ça fait du bien mentalement. Tous nos matchs... On jouait bien, mais devant le but, voilà, on ne tirait pas beaucoup, on ne bougeait pas beaucoup. Donc toute la semaine, on a travaillé beaucoup là-dessus. Donc il fallait du mouvement devant le but et tout. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Et aujourd'hui, on gagne un pénalty, on a eu des centres, on a eu des frappes. Donc je crois que ça a payé. Toute la semaine a payé. On peut comprendre leur désappointement, mais tout le monde est conscient de la situation. Ils l'ont montré, maintenant ils ont montré aussi ce soir qu'ils étaient capables d'oublier et puis de passer à autre chose. Donc content de l'avoir retrouvé, même si on savait qu'on ne l'avait pas perdu. Mais c'était à nous aussi d'aller le rechercher. Je pense que ce soir ça a été fait. Maintenant ce n'est qu'un match, il y a encore pas mal de matchs à gagner. Donc on espère qu'ils seront aussi bons que ce soir pour nous aider dans cette saison qui va être compliquée, mais on peut s'en sortir vite. J'ai confiance en ce groupe-là. Il est capable de faire des belles choses. Maintenant, c'est aussi le mental, la confiance qui fera la différence.